Dieu. Je suis la sœur Kouadiane. Le pasteur Meunier est mon faiseur de disciples et je prie à l'assemblée Meunier à la Riviera 3. Frère, je voudrais, j'ai trois témoignages. Le premier, c'est vraiment le Seigneur a renversé le trône de la sorcellerie de ma famille. Depuis que je suis arrivée dans ce ministère, dans les prières, le Seigneur me montrait une chaise royale. Mais la chaise est entièrement faite en serpent. Et chaque fois que je voyais en vision, en songe, en vision, j'avais peur. Je dis, mais quelle est cette histoire? Et puis, pendant ce renversement des principautés, je ne savais pas trop ce que c'était le renversement des principautés, parce que c'est
ma première session de renversement des principautés. J'ai lu le livre, mais dans les prières, je ne savais pas très bien parce que mon faiseur des disciples n'était pas là pour m'expliquer. Mais dans les zones, j'ai appris. Et donc, j'ai commencé à prier surtout pour ça. Je priais et depuis que le pasteur est revenu, depuis qu'on a commencé les croisades, on me remontre, je revois en vision cette chaise royale faite de serpents, mais vraiment très grande. Et je crois que c'est le dimanche, les serpents en question ont commencé à rentrer, ont commencé à vomir et ils étaient morts. Mais la chaise était toujours là. Acclamons pour Jésus-Christ. La chaise était toujours là. Et hier, après la prière, cette nuit, quand je me suis levé pour prier, j'ai commencé à prier, à reprendre les prières d'hier, à prier. Et puis, la chaise, une chaise qu'on pose comme ça, elle n'était pas simplement posée, mais il y avait un support fait de béton et qui s'enfonçait dans la terre. Donc, cette chaise, c'était difficile de l'enlever. Très enfoncé dans la terre. Et puis la voix me dit, cette chaise, elle va être enlevée. Donc j'ai continué dans la prière et la chaise a été enlevée, déterrée. Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. La chaise a été déterrée et elle a été incendiée, consumée complètement. Je voudrais vraiment rendre toute la gloire au Seigneur parce que notre Dieu délivre et il est vraiment présent. Et quand elle a été consumée, la voix me dit, tu vois, tu la voyais tout le temps, tu ne pouvais pas toi l'enlever. Mais c'est parce que tu as commencé à être obéissant, à te sanctifier, à marcher dans la sanctification que la chaise a été enlevée. Donc cela s'adresse à nous tous, si nous sommes obéissants et que nous marchons dans la sanctification, Dieu peut tout faire pour nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Ensuite, j'ai eu deux visions. La première, c'était comme une langue de feu qui se promenait dans la salle. Mais la langue de feu a commencé à la chair autour du pasteur. Et puis, une autre se promenait au niveau des semeurs. Mais au niveau des semeurs, on la voyait de façon précise sur la sœur Colette. Mais c'était une lumière étincelante. Elle était tellement étincelante qu'on ne voyait même plus le visage du pasteur et de la sœur Colette était lumineux. C'était blanc et ça éblouissait pratiquement. Et puis la voix me dit, c'est ma gloire sur mon serviteur pour vous bénir. Alléluia. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Et à la fin de la prière, pendant qu'on faisait l'intercession, il y avait des animaux, des serpents, des escargots, toutes sortes d'animaux qui sortaient, qui fuyaient, qui se précipitaient même pour sortir parce que personne ne voulait être. Acclamons pour Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et à la suite des animaux, alléluia, à la suite des animaux, c'était des chaînes, des gens qui étaient liés, qui étaient défaits des chaînes, et puis des cadenas qui étaient ouverts, et tout cela était lié là. Je voudrais rendre toute la gloire à notre Dieu qui délivre effectivement. Et la gloire de Dieu est dans cette œuvre, dans cette église. Saisissons pendant ce renversement des principautés, demeurons dans la sanctification et dans l'obéissance totale, et chacun saisira sa part au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a délivré de l'orgueil. Le Seigneur m'a délivré de colère. Le Seigneur m'a délivré d'esprit de monde. Le Seigneur m'a délivré de rancune. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai une sœur qui m'aime bien, Madame Charlotte Louise Goren, qui m'a invitée ici. Et quand elle m'a invitée, quand je suis venu, quand j'ai vu le temple, la colère s'est levée. Vous savez, le diable nous suit partout. L'orgueil, j'ai dit, mais dis donc, où elle m'amène?
Pourtant, elle me connaît. Regarde, les gens n'ont pas mis de jolies chaussures. Ils n'ont pas mis des montres de classe. Et voilà les sacs, c'est pas en cuir. Est-ce que ici là, les gens sont bénis? Je suis venu m'asseoir dans ma religion que je connais. Et j'ai mis mes pieds et je promenais les regards partout. Et une colère me montait. Mais je rends gloire à Dieu qui fait toutes choses. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons plus fort pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mort à la croix du calvaire et ressuscité le troisième jour. Je rends gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Quand je commençais à promener les regards partout, voilà les semeurs qui vont chanter. Dieu prend toujours quelque chose pour appeler son enfant. Et quand j'ai vu les semeurs chanter, danser, j'ai dit, ah, mais quelle joie! Mais ils ont quoi même? Et puis ils dansent comme ça. Et moi je souffre. Ah, c'est qu'il y a quelque chose de bon dit alors. Puisque regarde les gens, ils se cassent. Il y a un mot que j'ai oublié et le Seigneur m'a converti parce que c'était le gros problème. Donc, je bénis ma soeur Bambakou de Carole. J'ai fixé cette dame qui dansait de tout son corps. J'ai dit, mais dis donc, mais quelle joie elle a eue. Et je commençais à écouter. Je suis partie m'asseoir. Les semeurs ont fini de chanter. Ils sont partis s'asseoir. Et maintenant, il y a témoignage. Et les gens témoignaient. Et ce que j'entendais, j'ai prié, j'ai jugé. Et j'ai eu ça. J'ai dit, hein? C'est pas Pasteur qui a prié alors. Celle qui a prié, elle a jugé. Elle a eu ça. Ah! Donc ici, là, c'est comment? Acclamons pour Jésus-Christ. Maintenant, le témoignage que Dieu va utiliser pour me parler, c'était le témoignage de la sœur Kwasi Gisèle. Quand elle a rendu son témoignage, j'étais cassé. Et le Seigneur va me dire, tes chaussures que tu as portées qui brillent, c'est zéro. Jésus-Christ. Ton sac que tu as porté et puis ce cuir, c'est zéro. Tes bijoux que tu as portés et puis ça brille là, c'est zéro. Tu vas à l'enfer. C'est tout. Wouh! Il me dit en plus, tu mens aux gens et tu as la haine. J'ai dit, wouh! J'ai commencé à lever Jésus. J'ai dit, Jésus-Christ. Acclamons pour moi, j'étais assise comme ça là. Je me suis dressée. J'ai dit, wouh! Donc ici là, c'est comme ça. Et on a fini. Maintenant, ma soeur me dit, le pasteur va te recevoir. Je monte au bureau, toute petite. Je ne sais plus comment marcher. Confus. J'ai dit, on me fait rentrer. Je regarde le pasteur comme ça. Il me regarde, il dit, ma soeur, tu pries pour que tes ennemis meurent. J'ai dit oui. J'ai prié jusqu'à mon papa est mort. Parce que je disais qu'il m'a attaché pour ne pas avoir beaucoup d'argent. Il m'a attaché pour ne pas me marier. Il m'a attaché pour ne pas faire enfant. Donc, j'ai dit dans le livre là, où on dit, Dieu a parlé à cheval de Balaam là. J'ai dit, je te coince. Tu vas mourir. J'ai prié et puis il est mort. Quand il est mort là, je dis, oh, je suis libéré. Mais je suis depuis là, mais voilà. Il dit, mais comment Dieu peut te bénir? Papa parle doucement. Donc, il a enlevé. Quand je me suis expliqué jusqu'à... Il a enlevé 3 livres. Je n'ai pas payé, hein, la repentance, brisement et le renversement des principautés. Même nuit là, je n'ai pas dormi. Quand j'ai lu la repentance,
j'ai vu que j'étais moi-même ma sorcière. Jésus-Christ. Avec la haine, quand j'ai affaire à toi, tant que je ne t'ai pas détruit, je ne te laisse pas. Où Dieu allait passer pour me donner cette bénédiction? Quand on est venu faire mon brisement de liens, celle qui m'a pris d'abord, on a vidé paquet de bonbons. Parce que vraiment, imaginez, parce qu'il fallait qu'une femme du côté garçon là, mais vraiment Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Et aujourd'hui, j'ai une sœur, elle s'appelle Déborah. Elle me disait, tu sais les rosicruciens là, ils se convertissent dans les livres. J'ai saisi ça et j'ai commencé à payer mes livres. J'ai pris le chemin de la sanctification et le Seigneur a renversé vraiment mon caractère. Je vais dire merci au Seigneur. Je vais dire merci. La mission CMC qui m'a délivré, qui m'a guéri, qui a guéri mon âme. Parce que mon âme était dans le séjour de la mort. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus le frère Brie Anderson. J'ai pour faisait des disciples le vaillant pasteur Ebenezer Kwame. Je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour son peuple. C'est que hier dans le songe, il a fait un songe hier, et dans le songe, c'est comme tous les frères, nous étions dans une grande cité, une belle cité, avec des verdures, en tout cas tout était joli. Et il y avait la paix qui était dans la cité. Tout d'un coup, on attendit un grand tremblement de terre, et les frères de la cité ont commencé à paniquer. Les gens couraient de par-ci par-là. Il y avait des Goliaths qui étaient sortis pour venir paniquer les frères. Et ce que j'ai constaté dans le songe, c'est que chaque frère avait son Goliath qui le tourmentait. Et pour certains frères, c'était tellement difficile. La cité avait un grand portail dont les frères, ceux qui avaient peur, sont sortis. Ils ont laissé les Goliaths et ils sont sortis. Maintenant, il y a certains frères qui sont restés. Et le Seigneur m'a permis de courir et sortir avec ceux qui étaient sortis. Donc après, je me suis arrêté à quelques distances. Je me suis dit non, il faut que je me retourne pour voir ce qui se passe dedans. Quelles sont ces personnes-là qui viennent trouver la paix des gens? Ce n'est pas normal. Donc, quand je me retenais pour venir dans la cité, j'ai vu une grande armée de gens qui venaient avec tout ce qui est matériel de l'armée pour venir combattre ces Goliaths-là. Et quand ils sont rentrés, j'étais derrière eux. À peine on est rentrés, on voyait plusieurs Goliaths qui étaient couchés morts. Et c'était les frères qui étaient restés derrière. Chacun était en train de battre son Goliath. Battre son Goliath. En tel instant que... pour Jésus-Christ. Et malgré qu'ils étaient en train de battre leur Goliath, Dieu a dit à ceux qui venaient de l'armée que deux personnes soient autour des frères qui battaient. Donc il y avait, pendant que tu battais, il y avait deux gardes-corps qui étaient à côté de toi. Dans le but où, peut-être si tu es fatigué, ils vont renforcer. Mais on constatait que les frères étaient forts et ils battaient, combattaient. Donc, l'armée finalement qui est venue a laissé les frères qui combattaient pour aller combattre les Goliaths des frères qui étaient sortis. Donc, l'armée a combattu tous les Goliaths de ceux qui étaient sortis. Et puis, j'entendais les frères qui disaient, au nom de Jésus, plus jamais tu vas me dire, moi je suis pauvre. Plus jamais tu vas me dire, moi je ne travaille plus. Plus jamais tu vas me dire, moi je suis ça. Et, acclamez pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc c'est ainsi que je me suis réveillé et j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer le songe. Il a dit que vraiment cette année, il va faire de grandes choses dans la vie de tout le peuple. Même ceux qui ne sont pas venus, il va agir. Parce qu'il m'a dit que les frères qui sont sortis, ce sont les frères qui sont faibles, bon, certains pour des raisons de maladie qui ne sont pas venus. Mais il va envoyer ses gardes de corps pour combattre les Goliaths. Que la gloire nous revienne au nom de Jésus. Acclamez Amen. Pour Jésus-Christ. J'ai deux témoignages. Le premier est que hier, le pasteur Papa Boniface parlait. Il disait que nous nous sommes glorifiés des choses honteuses.
des choses honteuses et des vanités. Et frère, c'est à moi qu'il parlait. Car depuis fort longtemps, je me glorifiais d'être belle, d'avoir une belle forme. Et je profitais de ça pour mener une vie de débauche, des gars par là, des ex par là. Mais quand le pasteur a parlé, j'ai eu le cœur brisé. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis repentie sincèrement. Et je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a délivré de l'orgueil. Amen. Le deuxième témoignage, c'est que je suis une grande adoratrice du Dieu nourriture. Amen. Ça veut dire que j'aime pas vraiment le jeûne. C'est un calvaire pour moi. Donc quand on parle de jeûne, je réserve, je mange à côté. Mais depuis le jeûne, du renversement des principautés, je me suis engagée et j'ai jeûné. Je jeûne. Et le pasteur, papa Boniface, a dit qu'après la croisade, on rompait le jeûne. Il a dit non, il va faire ça lui seul, il ne veut pas faire ça. Mais quand le premier jour, j'ai coupé à 18h. Mais le deuxième jour, le troisième jour, j'ai coupé après la prière. Je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a fortifié. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adèle Dadier, disciple du pasteur Akwe Roger, Assemblée Soleil 2, Cocody Angré. Je me rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'était le 14 soir à la croisade de la zone. L'ancien avait prié pour les maux dans le corps. Et frère, j'ai senti une douleur violente à la hanche. Je suis rentré à la maison. Et le lendemain matin, j'ai constaté que j'avais la dysenterie. Je ne savais pas d'où venait cette dysenterie, mais ça n'allait pas du tout. Et j'ai appelé mon faiseur, mon frère, ils ont demandé à ce que rapidement j'aille à l'hôpital. Quand je suis parti, ils m'ont prescrit plein d'antibiotiques. Avant que je ne parte, j'ai appelé le pasteur Nat, il a dit, par rapport au diagnostic et aux ordonnances, tu m'appelles. Et j'ai acheté les médicaments. Dès que je lui ai dit, il dit, sœur, il faut que tu arrêtes le jeûne et que tu prennes les médicaments impérativement. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai vu que quand je prenais les médicaments, je souffrais davantage. Et le 16 matin, j'ai rassemblé mes forces, je me suis mis au chevet du lit. J'ai dit au Seigneur, je vais arrêter ce médicament. Et s'il faut que je meure, il faut que je meure, mais moi je continue le jeûne. Amen. Quelques secondes se sont produites, j'ai vu qu'une autre comme moi est sortie du drap, et puis quelqu'un noir me tenait, me traînait. Et j'ai vu le Seigneur apparaître là, il a dit, mais où tu vas avec elle? Elle m'a donné sa vie, elle m'a donné sa famille. Mais laisse-la. Acclamons pour Jésus-Christ. Il ne s'est pas occupé du Seigneur, il a traversé la porte et il partait avec moi. Quand il a traversé la porte, arrivé au niveau de la porte, moi, je me suis cogné à la porte, donc je suis revenu au pied du Seigneur et il est parti. Et frère, immédiatement, c'est descendu du lit, j'ai repris mon ménage et je suis reparti à la croisade. Amen. Et le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mort qui était venu pour m'emporter. Et le premier jour de la croisade ici, j'ai fait la cuisine, ma puce est venue me voir. J'ai éteint ma bouteille de gaz. Je voulais chauffer la sauce, ma puce m'a dit non, laisse au retour, tu vas faire tout ça. Donc je suis venu. Frère, je suis reparti à 21h. La bouteille de gaz était allumée. Et je ne savais pas, j'ai senti une odeur. Il dit, mais qu'est-ce que les voisins font? Ils m'ont fait que je ne pourrais pas donner cette odeur. En temps, c'était ma bouteille de gaz qui était allumée. J'ouvre la mamie, tout le riz est brûlé, cramé. Et je dis, Seigneur, j'entends une voix, le Seigneur est assis auprès de ta bouteille de gaz. Alléluia. La troisième chose que je vais dire rapidement, c'est que hier, j'ai fait un songe. Je vois l'ennemi qui a pris le visage d'un frère qui aime bien me taquiner. Est venu, il me donnait le chemin. Il m'a indiqué où je devais passer, il est venu m'a terrassé. Et les autres ont commencé à se transformer en des animaux bizarres, ça a commencé à rire, on l'a eu. Je me suis réveillé, dit, mais attends, comment ça on a été renversé, puis un mari de nuit vient me terrasser ici, c'est pas possible. Donc, j'ai prié, j'ai supplié, je me suis recouché. Non, avant ça, dans le même songe, je vois une personne avec ma soeur Sonia Dadier, on n'avait plus le bouc, on était bien habillés. Mais il y avait des soeurs qui étaient là, qui suppliaient, papa, pasteur, étaient faibles. Et pour moi, j'avais l'autorité. Donc, je me suis réveillée, mais ça veut dire quoi ça? On me terrasse ailleurs, et puis ailleurs, je suis forte, ou je ne suis pas. Le Seigneur m'a dit, tes parents adoraient l'or. Parce que ma mère est d'une famille royale, où ils adoraient l'or. Et, les quelques instants, le Seigneur m'a dit, il a dit, mais je ne porte pas de bijoux. Il dit, mais hey, les petites boucles là, c'est fait de l'or. Donc, c'est pour cela, l'ennemi est venu te terrasser. Donc je me suis levé, j'ai supplié que Dieu pardonne toutes ces adorations. Je me suis rendormi. Le même monsieur est revenu,
Et cette fois-ci, parce que j'ai enlevé les boucles, je suis allé les mettre à la poubelle la nuit, je suis revenu. Quand le monsieur est revenu, cette fois-ci, je l'ai terrassé et j'ai mis mon pied sur lui. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Et quand je partais, je vais dire que tu es méchant. Je vais dire aux gens que tu es méchant, tu n'es pas gentil. J'ai dit, peu importe, mais tu n'auras plus assez à ma vie. Amen. Je suis la sœur d'Anon Eli, mon faiseur de disciples. C'est le pasteur Meunier Boniface et j'adore la Riviera à Tauban. Jésus délivre à travers sa parole qu'il donne à ses serviteurs et notamment à son serviteur, le pasteur Meunier Boniface. Alléluia. Ce matin, je priais avec le bulletin du 21-08-2017 de la croisade. Et je lisais quand je suis arrivée à cette phrase. Parce que Dieu a établi Jésus, le grand frère de tous les saints. Quand tu crois en lui, tu changes de paternité. Tu deviens un enfant de Dieu et les familles de tes ancêtres ne peuvent plus te revendiquer. Alléluia. Frère, quand j'ai lu « Tu changes de paternité », ça m'a saisi. C'est comme si j'avais jamais entendu ça. Alléluia. J'ai commencé à pleurer, me réjouir, pleurer, me réjouir, pleurer, me réjouir. Alléluia. Et j'ai commencé à proclamer que j'ai changé de paternité, que j'ai changé de paternité, que j'ai changé de paternité et que mes ancêtres ne peuvent plus me réclamer. Alléluia. J'ai commencé à prier en proclamant cela. Et Dieu va me révéler quelque chose. Frère, en Europe, c'est pas comme en Afrique. Vous pouvez encore savoir réellement les adorations de vos parents, de vos ancêtres. Mais en Europe, tout est caché. Alléluia. On a fait la chasse aux sorciers et on pratique des choses sans le savoir. Lors de mon brisement des liens, comme je sais qu'il y a l'influence des Grecs, l'influence des Romains, l'influence des Celtes, l'influence des Gallois, des Gaulois, je me suis séparée, j'ai fait séparer de tous ces dieux parce que je ne connais pas réellement ce qu'ont pratiqué mes parents. Alléluia. Mais pendant que je priais ce matin et que je parlais en langue, ça atteint des hauteurs, j'ai recevé la déesse de la fertilité, la déesse de la fertilité, la déesse de la virginité, de la fertilité, le dieu des moissons. Alléluia. Frère, j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Gloire à Dieu. Donc j'ai détruit, j'ai arraché, je me suis séparée. Alléluia. Et j'ai détruit tout ce que ces déesses, ces dieux ont fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Et quand j'ai fini de prier, je suis allée sur Internet. Alléluia. Pour faire encore des recherches. Et toutes ces déesses qui en fait sont dans toutes les civilisations portent des noms différents. J'ai trouvé chez les Gaulois, j'ai trouvé chez les Romains, j'ai trouvé chez les Grecs. Donc tous les noms, je les ai pris. En même temps, j'ai fait la séparation totale. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Et pendant que je lisais sur Internet, j'ai vu toutes les fêtes qu'avaient pratiquées les Grecs et les Romains. J'étais surprise. J'en connaissais certains, mais il y a les dates. Et quand je vois les dates, quand je vois les noms, je sais que nous, on pratiquait ça. Alléluia. La fête du nouveau nain, du nouveau vin, la fête des floralines, qui est la déesse Flore, des choses qu'on pratique. Le solstice d'été, le solstice d'hiver, le solstice de printemps. Alléluia. Avec, comme vous pouvez avoir les fêtes d'Igname, des fêtes, des fêtes, des fêtes, des fêtes. Alléluia, des dieux, des dieux, des dieux. Alléluia. Je me suis séparée des fêtes que je sais qu'on a pratiquées. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. La dernière fin, quand je recommençais à prier, je voyais un chemin et puis des gens sur les chemins, des gens. Et j'ai compris que c'est tout ce qui est procession, c'est tout ce qui est pèlerinage. Alléluia. Et je me suis séparée des processions, des pèlerinages, des dieux qui ont été adorés, des sacrifices qui ont été faits pendant toutes ces choses. Et j'ai vu une espèce de casque de pape qui a été retiré. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Frères, les catholiques sont venus poser leur Vierge Marie, leur lieu de culte, sur des anciens cultes
Gaulois, Romains, Celtiques. Alléluia. Quand tu vois une grotte de Vierge Marie quelque part au bord de la forêt, c'était un lieu d'adoration des peuplades celtes. Gloire à Dieu. Dieu, au fur et à mesure, m'éclaire. Et je viens lui rendre toute la gloire pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Sœur Deborah Wade. Mon nom Wade, c'est pas sénégalais, c'est Kroumen. C'est Wade. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi dire merci au pasteur Meunier, sa femme et tout le peuple de la CMCI. Je veux dire merci à ma soeur Zégri Delphine qui m'a conduit en ce lieu. Frère, j'ai été délivré. Délivré, Jésus m'a délivré de la sorcellerie de ma famille et de ma propre sorcellerie. Jésus m'a délivré de la pauvreté. Jésus m'a délivré de la mort précoce. Jésus-Christ. Frère, je suis la seule qui a vécu mon temps, ma douleur. Je ne sais pas comment exprimer. Mais je vais vous dire dans 2 minutes. Je suis restée dans un ministère pour chercher la délivrance de la société de ma famille. J'ai fait 10 ans, je n'ai pas trouvé de délivrance, bien-aimé. On donnait des enveloppes. On faisait tout. Ma soeur a fait un tour là-bas, comme on est les stars des églises, elle a fait un tour là-bas. Oui, c'est nous. On cherche Dieu. Mais où le trouver? Où? Oh, il est là, à côté. Il est là. Acclamons pour Jésus-Christ. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Bien aimé, ma soeur m'a regardé. Elle m'a vu au marché. Elle dit, toi, Déborah, où tu es là-bas, là? Tu sors. Elle dit, comment ça? Elle dit, tu viens. J'ai trouvé l'église qui me sauve, qui m'a donné le salut. Toi, tu es homme Dieu, viens, tu vas recevoir le salut. Bien-aimé, j'ai hésité, j'étais hésitante, 1 mois, 2 mois. Dieu lui-même m'a tiré vers elle. On a fermé ma maison, on m'a chassé. Dans mon orgueil, je suis allé prendre un foyer, je dormais, je payais 4000 francs par jour, l'argent finissait. J'ai couru une nuit, j'ai dit, maman, je suis venue. L'église, ça est où? Acclamons pour Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu m'a délivré. Et mon faisant des disciples, c'est papa Akpé Roger. Mais mon premier faisant, c'est maman Zégri. 4 heures, elle se réveille. Tu écoutes 4 musiques. Enlève-moi ça. Prends le livre. J'ai dit quel livre? J'ai plein de livres. Hein. Elle dit. Brisement des liens. Elle dit repentance. Elle dit principauté. Les 3 que tu as payé là, c'est ça que tu dois lire. Tu ne dois pas lire d'autres choses. Je dis, ah maman, ça là c'est quoi? C'est torture. Elle dit, tu prends. Et tu mets la musique que tu écoutes là. Acclamons pour Jésus-Christ. Et j'ai cédé, j'ai lu. Quand j'ai lu le livre de repentance, je le connaissais déjà, mais je ne savais pas qu'il y avait une église qui était en Côte d'Ivoire, qui avait écrit cette église, ce livre. Mais je passe, ce n'est pas pour ça que je témoigne. Mais je connaissais déjà le livre depuis l'an 2004 que j'ai lu. Et ça m'a fait du bien. J'ai volé un foyer, ça m'a fait sortir, j'ai restitué, je suis sorti. C'est après 10 ans que je suis venu faire la vraie repentance pour faire le baptême. Parce que c'est ce qui manquait. Parce que dans l'église, là-bas, le Seigneur me disait, va chercher, va faire ton baptême. Là-bas, on nous dit que ce n'est pas église. C'est ministère de combat spirituel. C'est délivrance. On n'a qu'à avoir nos églises. En même temps, ils nous disent que n'allez pas dans toutes les églises. Toutes les églises ne sont pas bonnes. Effectivement, ils disent la vérité. Moi, j'ai prié pendant 3 mois. J'ai dit, Seigneur, où tu veux que je fasse mon baptême? Et tout ça, là, est arrivé. Je suis arrivée à la CMCI. Dieu m'a délivrée. Le 18, quand on priait, papa a dit, moi j'ai payé la fiche.
qui dit de terminer avec le passé. Papa a dit dedans une chose. Il dit, quand tu veux faire la repentance de ta famille, sois sérieux. Ne dis pas que mes parents sont sorciers, mais dis, mes parents et moi, nous avons fait la sorcellerie, nous avons bu le sang, nous avons maillé la chair. J'ai appliqué cela. J'ai dit ça à Dieu. J'étais assise là. Je vois des cuvettes de sang alignées comme ça. Des cuvettes de sang, des cuvettes de chair humaine. Oh, ma famille, c'est des Akans. Ma mère Agni, mon père est Kroumen. Dans leur famille, ils adorent le fétiche qui s'appelle Alou. Ils boivent du sang. Moi-même, j'ai porté le bracelet Alou. C'est noir, grain noir, les Akans connaissent. Quand ça se manifeste, on te porte ça pour ne pas que tu boives le sang des gens. Bien-aimé, de moi est sorti 2000 pas très noirs. A été consumé. Consumé. Le sang est parti. La chair humaine a été consumée. Ils ont tout consumé. J'ai été délivré de cette pauvreté, de cette sorcellerie. La pauvreté, dans le songe, je vais à la maison, je fais le songe. Mes enfants et moi, nous travaillons dans une usine. Et on a plein d'argent. J'ai vu quelqu'un qui est venu avec colère, qui a pris les sacs d'argent, qui a tout consumé, qui a consumé. Il a mis le feu dans l'usine. Il nous a fait sortir. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Je suis sorti de là. Je viens encore. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Il me montre encore que je suis dans le ventre. J'ai été envoûté. C'est ce que j'ai marqué de vous dire. J'étais dans le ventre d'un bois, mes enfants et moi. Et le Seigneur a ouvert le ventre du bois. Il nous a sortis. Bien-aimés, quand on nous sortait, maman Meunier était assise là. On était plein de boue sur nous, des trucs gluants. Elle nous lave. Hey, maman, tu souffres. Elle nous lave. Elle m'a lavé. Elle m'a donné une chaise. Elle a lavé mon fils. Elle lui a donné une chaise. Elle a donné lavé ma fille. Elle lui a donné une chaise. J'ai quatre enfants. Elle les a tous lavés. Acclamons. Le ventre. Dans le ventre du serpent, toute ma famille, nos parents qui sont morts, leurs os étaient dans son ventre. Ils ont le Seigneur a tout enlevé, il a consumé, il a fait consumer le serpent. Hier, quand le Seigneur, le papa a encore dit, vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. Effectivement, on a été esclaves parce que notre grand-mère a été esclave de l'adultère. Et nous sommes dans l'immoralité, dans la sexualité. Ma famille et moi, hier, j'ai fait la repentance avec papa. Tout ce qu'il a dit, j'ai dit, arrivé à la maison. Il dit le matin quand tu te lèves, dis Dieu, exauce-moi. Je dis Seigneur, exauce-moi. Je suis allé me coucher. Voilà, je vois sept serpents. Je vois un crocodile, mais le crocodile a un sexe. Ils ont coupé, découpé les serpents, détruit les serpents, détruit les serpents. Ils ont détruit le crocodile et son sexe, ils ont détruit. La divination est dedans. Dans mon combat, je priais, je demandais à Dieu d'enlever cette sorcellerie-là. Parce que je suis allé prendre ça au christianisme céleste. J'ai souffert pendant 10 ans. Dieu, à cause de ce que mes ancêtres ont dansé le fétiche, ils ont adoré les eaux. J'ai vu comme ça une cellule avec un cori sur la tête qui était pourri. Dieu a détruit ça, a enlevé le cori, il a détruit le cori, il a consumé. Et la cellule est devenue comme un lien, comme une corne. C'est pour ça que papa dit de faire toujours, on n'a qu'à faire brisement de liens malsains. La cellule est devenue une corde. La corde a pris feu et j'ai été libérée. Ce matin, deux vieilles femmes sont sorties de moi. Deux vieilles femmes. La femme que je porte son nom, Wade, mon homonyme, elle est sortie. Ma grand-mère, elle est sortie. Elle partait, elle pleurait. Où il y a le feu, on ne peut pas rester. On s'en va au village. On s'en va pour rester. On va rester. Jésus-Christ. Alléluia. Elles disent, on s'en va au village. On va aller rester là-bas. Quand ils vont faire des bébés, on va les posséder. Je me suis levé. J'ai entendu une voix. Autorité, autorité. J'ai commencé à prendre autorité. Je dis, taisez-vous. Allez-y. Rentrez dans le séjour des morts. Je vous chasse. Partez. Partez. Partez.
Dieu dit, vous n'avez plus de droit sur cette terre-là. Vous ne pouvez plus rentrer dans une famille. Votre place est dans le séjour des morts. Vous allez aller faire quoi au village? Bien-aimés, je crois que j'ai assez parlé. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour ma délivrance. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Nebou Yvette. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Dans ma famille, il est dit que je n'allais pas me marier. Je n'allais pas faire un enfant. Amen. Et où ça va commencer, c'est depuis 2015, le renversement des principautés. Alléluia. C'est là Dieu a ouvert les portes. Après, au milieu du renversement des principautés, Dieu a ouvert les portes du mariage. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Et en 2016, renversement des principautés. Quand nous avons fait le mariage, 3 mois après, j'ai pris une grossesse. C'est pas. Alléluia. Et je suis allée à l'hôpital. On dit, tout mon ventre est rempli de fibromes, que je ne peux pas faire d'enfant. Alléluia. On a prié, on a jeûné. Et en 2016, il y a eu renversement des principautés des personnels familiales. Et quand les gens rendaient témoignage que Dieu a versé les enfants, j'ai dit, je prends 3. Jésus-Christ. Il y a une soeur qui était devant, dans ces 3 seulement, il dit, 3 me suffit. Alléluia. Et c'est pendant ce temps-là même que je suis tombée enceinte, sans que je ne sache. Alléluia. J'ai des soeurs même qui ont vu en son, ils sont venus me dire, ils disent, oh, je ne suis pas enceinte. Alléluia. Oh, j'étais enceinte, je ne savais pas. Et quand on a fini le renversement des principautés, on est allé à la maison. Je suis tombée malade. Je suis allée à l'infirmerie. Pour moi, il dit, c'est pas lui. Quand j'ai pris les médicaments, mon mari a dit, il ne faut pas tuer mon enfant. Il ne faut pas tuer mon enfant. Il dit, qui t'a dit même que je suis enceinte? Je ne suis pas enceinte. Alléluia. Et je suis partie voir, il y a une pharmacie près de nous, c'est allée prendre un test de grossesse. Frère, quand j'ai essayé, c'était positif. Jésus-Christ. C'est un combat. À 4 mois, la grossesse voulait passer. J'ai eu un mal terrible, mon ventre était ballonné. J'ai dit à mon mari, ben tu, il a mis... Si vous voyez, c'est pas furon, le bout de furon, c'est comme ça mon ventre était. Ça me faisait atrocement mal. J'ai commencé à dire, mon enfant. Il dit, moi, mon enfant n'a pas de problème, c'est toi qui as problème. Alléluia. Il m'a imposé la main, puis à minuit moins, il est allé à l'hôpital. Quand on est arrivé là-bas, il m'a amené à la réanimation. Ce qu'ils peuvent faire, ils ont fait. Le lendemain, le professeur est venu, m'a contrôlé. Il a dit que l'enfant n'a aucun problème. Que tout est bien. Acclamons pour Jésus-Christ. Frère, ce n'est pas été facile. C'était un combat jusqu'à la fin. Mon mari même avait décidé même de prendre jeune jusqu'à ce que j'accouche. Frère, c'était un combat. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, le bébé était monté. Le mois passait. On attendait 20 mois maintenant. Le professeur m'a examiné. Lui, il était toujours en haut. Le bébé est en haut. Les fibromes ont pris tous. En tout cas, c'est un vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ. Il était au milieu des fibromes. Où l'enfant doit passer, il y a le fibrome est là-bas. Il ne pouvait pas descendre. Donc, il faut forcément une césarienne. On a prié mon mari pour ne pas que j'ai fait une césarienne, mais Dieu a voulu qu'on passe par là. Alléluia. Amen. Frère, c'est arrivé là-bas que ce petit merveilleux, ce frère, est venu au monde. Acclamons pour Jésus-Christ.
Que son nom soit béni. Avec Jésus, tout est possible. Je suis votre frère Massa Séraphin, venu de Bédiala, 2 semaines parmi vous. Voici ce que Dieu a fait. Il m'a exaucé. J'avais un problème de chèque que la banque devait délivrer depuis 3 mois. Et c'est ce qui m'a conduit à Abidjan. Hier, j'ai dormi en Dieu exauce. Je me suis réveillé en Dieu exauce. On a remis mon chèque ce matin. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parmi vous, Dieu m'a guéri instantanément. Ce pied gauche, mes maladies durent 7 ans, 14 ans. Ce pied de 14 ans, depuis vendredi, je dormais. Une forte chaleur s'est dégagée de moi et le pied est guéri. À telle enseigne que moi-même, je me demande si c'est guéri. Depuis là, je suis là, je m'entraîne, mais pas de douleur. Le pied refuse d'être malade. Jésus-Christ. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Et je voudrais vous bénir pour l'amour qui est au milieu de vous, qui nous guérit aussi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Je suis Kwakundi Germain. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Mathieu de Dabou. Je veux dire merci au Seigneur qui a délivré mon épouse d'un mari de nuit. C'est un mari de nuit qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé notre vie. Il venait confesser, dire à ma femme que lui ne voyait pas qui pouvait lui dire que ma femme n'était pas son épouse. Même dans les jeunes, c'était un esprit très arrogant. Très arrogant, méchant. Il dit, même si tu ne veux pas, je vais te doter. Il se révèle à mon disciple qui prie pour moi que je vais marier Annabelle. Comme ma fille me connaissait, elle savait que c'était de moi qu'il parlait. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2015 quand je priais pour mon mariage. Je ne savais pas que c'était lui. Il me dit que moi je lui ai pris quelque chose. Donc, il avait une arme avec laquelle il voulait m'abattre. Dans notre course, je traversais des villages. Mais j'étais étonné de voir que les habitants des villages que je traversais voulaient m'attraper pour donner à ce monsieur. Je ne comprenais pas. Je dis, mais comment ils étaient informés? Dans notre course, il a dit, pendant qu'ils veulent m'attraper, moi j'arrivais à neutraliser tout le monde. Frère, je rends ce témoignage pour t'encourager, pour te dire qu'il faut prendre ce travail au sérieux. Moi, après que Dieu m'ait délivré, j'ai compris 3 choses essentielles. Le renversement des principautés est quelque chose de réel. Et puis, j'ai compris qu'il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Quelqu'un pourrait se dire, comme une jeune fille qui me disait, quand on a donné notre vie à Jésus, Jésus a déjà tout accompli pour nous, on n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Ça, c'est l'ignorance. Et puis, j'ai compris également que c'est un travail dans lequel Dieu seul peut agir. Pendant que j'étais en train de me battre contre les villageois, quelqu'un me parlait. Je recevais dans mon esprit que tu ne peux pas te battre toi-même. Tu ne peux pas mener toi-même ce combat. Mais comme le monsieur me poursuivait, j'étais obligé de neutraliser tout ce qui était sur mon chemin. J'ai traversé 7 villages. Et dans la deuxième phase de mon songe, je retrouve mon ami et le faiseur de disciples de la sœur qui est là. Mon ami lui dit, est-ce que tu vois pourquoi Germain vient de mener ce combat? C'est comme si elle regardait ça sur un écran. C'est à cause de ta fille Annabelle qui vient de mener ce combat. Et le faiseur de disciples prend la parole. Il dit, tu ne peux pas mener ce combat. Le jour où tu vas lui dire, si elle accepte, l'esprit va sortir. Bon, moi-même, je n'avais pas compris ce songe-là. Il dit, mais moi, un enfant de Dieu, comment quelqu'un peut me reprocher que je lui ai pris quelque chose? Et qui me poursuit avec une âme. Donc je vais voir mon ami en question, je lui explique le songe. Il m'a dit que mais, ce que le monsieur te reproche d'avoir pris là, c'est la dame, c'est Annabelle. C'est là que j'ai compris que, effectivement, c'était à cause de ça qu'il me poursuivait. Donc, j'ai suivi toutes les procédures. Je suis allé dire à la dame que je l'aimais.
Je m'attendais, j'ai dit le jour où elle va me dire qu'elle accepte, il faut qu'elle sorte clairement de sa bouche. Donc, ce jour du rendez-vous, j'arrive. Bon, je m'attendais à ce qu'elle dise, chérie, je t'aime, j'accepte ta proposition. Bon, je ne vois pas ça. Je sens que la soeur a accepté, mais elle ne veut pas sortir de sa bouche. J'ai dit non, il faut que tu dises que tu m'aimes. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc je dis, il faut que ça sorte de ta bouche. Frère, je vous dis la vérité. La soeur avait beaucoup de difficultés à me dire qu'elle m'aimait. Mais j'ai tenu aussi à ma parole. J'ai dit, il faut que tu dises que tu m'aimes. Parce que si tu dis, cet esprit va partir. Et la soeur, par ses efforts, je lui ai mis les paroles dans la bouche. Et puis elle a dit, j'accepte. Et dans la nuit, l'esprit vient la menacer. Pourquoi tu lui as dit oui? Et puis tu as osé lui dire oui. Elle dit oui. Je lui ai dit oui parce que je l'aime. En bon? Jésus-Christ. Où est-elle? Où est-elle? On attend un bébé, donc elle est un peu fatiguée. D'accord. Ça, c'est... Alléluia! C'est le résultat du renversement des principautés. J'en viens tout à l'heure. Alléluia! Donc, il menace. Il dit, tu vas voir. Il lui tombe là-dessus. Il commence à lui serrer le cou. Et elle invoque le nom du Seigneur. Il est projeté. Mais il menace toutefois. La soeur se réveille. Frère, nous avons vécu beaucoup de difficultés. Des maladies. Des incompréhensions. Des palabres. Alléluia. Vraiment, on a commencé à chercher la solution partout. Nous sommes même arrivés jusqu'à notre papa, le pasteur Méné Boniface. Donc, comme le programme du renversement des principautés était en août, l'année passée, nous nous sommes vraiment engagés. Nous nous sommes focalisés sur certains points parmi lesquels figurait ce dossier de ce renversement du mari de nuit. Alléluia. Quand nous avons fini, le Seigneur nous avait parlé, nous avait dit que d'autres vont voir leur délivrance après un mois, d'autres après deux mois, trois mois. Effectivement, ces paroles se sont accomplies dans nos vies. Après quelques mois, ma femme fait un songe. Là, maintenant, on était mariés. Elle fait un songe. On l'avait enlevé. Quelqu'un l'avait enlevé. Mais elle ne savait pas. Elle a su quand elle est venue dans la maison. Tous ses parents étaient rassemblés. Elle avait beaucoup de blessures sur son corps. Elle était fatiguée. Le monsieur l'avait maltraitée. Parce que chaque fois qu'elle faisait les songes où elle était dans sa présence, elle était crispée. Elle ne pouvait pas bouger. Ce jour-là, elle se retrouve dans la maison. Tous les parents sont en train de pleurer. Mais on t'a enlevé. Et on a alerté la police. On a alerté la gendarmerie. En tout cas, on a alerté tous les corps pour te chercher. Et quand ils l'ont vu, ça les a consolés. Ils ont appelé des médecins et l'ont soignée. Et en tout cas, ils ont pris soin d'elle. Quand ils ont fini, ils l'ont mis sur un lit. Ils ont mis une petite fille à ses soins-là. Et puis, ils ont posté les policiers, les gendarmes partout pour prendre soin d'elle. Elle dit qu'elle était couchée. Le Seigneur allait se glorifier maintenant. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Le monsieur est rentré dans la maison à l'insu des policiers. Il dit, cette fois-ci, tu vas voir. Comment tu as fait pour t'échapper? Je vais te tuer. Et il a commencé à l'étrangler. Elle sentait que les forces lui perdaient. Mais par la grâce de Dieu, alléluia. Frère, quand Dieu a un plan pour toi, Dieu te donne tout. Elle dit qu'une arme, un pistolet s'est retrouvé dans ses bras. Elle a tiré sur le monsieur. Paf. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. C'était la victoire.
Ses parents avaient peur. Tu as tué quelqu'un, on va te mettre en prison. Et les policiers qui étaient là, qui connaissaient le droit, disent non, elle est en légitime défense. Ils ont soulevé le monsieur et sont partis avec lui. Alléluia. Alléluia. Conséquence directe. Les maladies ont disparu. Ma femme n'est plus tombée malade jusqu'à ce jour. Elle n'est plus tombée malade jusqu'à ce jour. Alléluia. Deuxième conséquence, le Seigneur nous a bénis avec un bébé. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tapé Yvonne. J'adore à la Cité des Arts et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ménier Boniface. Je voudrais témoigner que, effectivement, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Le Seigneur m'a fait comprendre ça, cela, avant que hier soit... Hier, on arrive ici pour la prière. Lors d'un songe, la nuit d'avant-hier à hier matin, je fais un songe et je me rendais quelque part. Et puis, là où je suis arrivée, il y avait beaucoup de fruits que j'ai commencé à ramasser. C'était des avocats. Et puis, quand j'ai ramassé, j'ai eu une collègue qui est venue s'interposer. Il se trouve que cette collègue-là, au travail, on plaisante beaucoup. On n'est plus dans le même bureau, on était dans le même bureau avant. Bien qu'elle ne soit pas chrétienne, mais elle, on s'entendait et on plaisantait beaucoup. On se chahutait beaucoup. Et maintenant, elle vient s'interposer. Et puis je lui dis dans le songe, mais attends, tu crois que quoi? C'est parce que tu as déménagé, tu es venu maintenant du même côté que ma maison, que tu penses que tu peux prendre les fruits que j'ai. Mais dans mon intuition, je savais que j'étais pas dans la victoire totale à cause de la plaisanterie. J'ai pu quand même prendre le plateau de fruits et puis je me suis retrouvée avec des personnes. Et les personnes avec qui je me suis retrouvée, je leur ai dit, partageons, et que c'est plus que les antibiotiques. Prenons, nous allons avoir la guérison instantanée. Gloire à Dieu. Mais dans mon intuition, je savais que c'était plus que j'aurais obtenu, n'eût été la plaisanterie. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me repentir. Parce que dans les idoles que j'avais renversées, j'avais oublié la plaisanterie. Or, c'est quelque chose qui, je veux dire, dont je n'ai jamais pu me défaire véritablement. En tout cas, quand je me sens très bien, quand je suis en très bonne forme, pour plaisanter, c'est facile. Je chahute et puis je peux plaisanter facilement. Or, Dieu m'avait déjà prévenu par rapport à la plaisanterie. Donc, hier, quand on est arrivé ici, non seulement la plaisanterie, dans un autre tableau, c'était la colère. La colère, mais pas la colère manifestée. C'est comme, je me suis dit que comme il faut que je triomphe de la colère, ça bouillonne en moi. Mais dans le songe, j'ai perdu la victoire à cause de la colère également. Donc quand on est arrivé hier, franchement, j'ai pris la prière au sérieux et j'ai promis au Seigneur que, à cause de qui m'a élevé au rang de divinité, je ne vais plus m'abaisser dans la boue pour plaisanter avec qui que ce soit, et puis, la colère que j'allais abandonner tout ça. Gloire à Dieu. Cette nuit, donc, je fais un rêve. Et dans le rêve, c'est comme s'il y a une crise. En fait, une crise allait se déclencher au niveau de la nation. Et je me suis dit, il faut que je sorte pour aller prendre quelques provisions, du lait en particulier. Et donc, je suis sortie, et puis j'ai rencontré une jeune dame qui me connaissait. Elle m'a dit donc, donne-moi l'argent que j'aille acheter pour toi. Et pendant que je revenais, des gens allaient chercher à s'approvisionner dans gaz. Je me suis dit, ok, il faut que j'aille rapidement également m'approvisionner. Et à ma grande surprise, pendant que j'étais là, je vois un véhicule venir de ce côté de ma droite, passant à la gauche. Et puis je vois une personne immense, mais qu'on a tué, que la voiture transportait. On a coupé ses membres même pour que la voiture puisse, la transporter. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu, au départ, je ne savais pas, je me demandais est-ce que c'était une personne ou pas. Et je me rends compte que c'est une personne. Et puis je me suis réveillée. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, une principauté vient d'être renversée. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, frère, si tu plaisantes beaucoup, sache que ça peut bloquer ta bénédiction. Ça peut empêcher qu'un prince, des princes soient renversés. Amen. Et donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je note ce songe-là.
Et pendant que je notais, je regarde la date. 23 août 2017, ça fait tilt dans ma tête. Frère, je me suis marié le 23 août 1997. Ça fait donc 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, que je me suis marié. Acclamons pour Jésus-Christ. Mon mari n'est pas dans le ministère, mais j'ai sollicité la prière. J'ai informé mon frère disciple, donc je sollicite la prière pour que vraiment tout ce qui doit être anéanti soit anéanti. Et mon désir profond avait été que mon mari soit là, mais je bénis le Seigneur de ce qui n'est pas là. Amen. Je sais que le Seigneur m'exaucera. Amen. La sœur Kouadiane, mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier. J'adore à la Riviera 3. Je voudrais dire merci à Dieu pour deux visions qu'il m'a montrées cette nuit pendant que je priais et qui expriment la délivrance de ma famille, des femmes, des filles de ma famille et moi-même ma délivrance. Les femmes en général de la famille ne sont pas mariées. Même les quelques-unes qui sont mariées, c'est vraiment pas le bonheur. Et donc, hier après la prière ici, j'ai repris toutes les prières que nous avons faites. Et puis j'ai décidé, le Seigneur m'a mis à cœur de juger l'esprit de célibat dans cette famille. Et j'ai jugé, j'ai prié. Après, le Seigneur me montre une vision. Dans la vision, c'était ici, c'est là, sur la chair qu'on m'a montré, plein de robes. Mais des robes de mariées de toute taille, de petites, de grandes. Gloire à Dieu. Avec des bagues de mariage partout ici. Et puis la sœur Colette disait, tout ça c'est à vous. C'est à vous, mais purifiez-vous, soyez propres et vous les recevrez toutes ces robes-là. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Après cette vision, le Seigneur me... Dans mon village, quand on était jeune, on se lavait dans un marigot. Donc le Seigneur me renvoie à ce marigot-là, avec un mâchoire. Non, c'est des silures. Il était gros comme ça, gros, avec un ventre gros. Et puis j'ai dit, mais quel est ce gros poisson? Et on ouvre son ventre, on n'a pas ouvert le ventre, pardon, dans la vision, il vomissait. Ce poisson vomissait. Et il vomissait des bagues. Et puis, Jésus-Christ. C'est comme si le poisson parlait. Il disait, on m'a dit de les garder. On m'a dit de garder ces bagues-là. On m'a dit de les garder. On m'a demandé de les garder. Et surtout, toi, ta bague, on m'a dit de la préserver. On m'a dit de la garder précieusement. Mais je ne sais pas quel Dieu tu adores pour que je sois vaincu. J'ai été vaincue parce que ton Dieu est fort. Et puis j'entends une autre voix. Oui, le Dieu qu'elle adore, il est fort parce que malgré tout ce qu'on fait à cette femme, même la maladie qu'on lui a donnée, elle a été guérie de cette maladie. Alléluia. Et la vision continue. Le Seigneur me montre des gens de ma famille, des hommes, des femmes, et qui retournaient. Moi, j'étais là et puis me donnaient d'eau. Ils partaient. Ils retournaient, ils partaient, mais dans un lieu obscur, très obscur, ils partaient tous et puis ils se lamentaient parce qu'ils avaient été vaincus, ils avaient échoué, ils partaient dans les ténèbres. Et puis il y a eu un grand tonnerre, une grosse pluie. Après la pluie, c'était comme du feu qui descendait du ciel et toute la forêt, les ténèbres dans lesquelles ils partaient, c'était une forêt. La forêt a été entièrement consumée avec des serpents, avec toutes sortes d'animaux. Et puis certaines personnes disaient, mais elle va nous amener, nous aussi maintenant, à adorer Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est... Amen. Ça va s'accomplir. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Et après, le Seigneur me met à cœur un cantique. La victoire est là. La victoire est là, dans le nom de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il nous donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il a dit, il le fera, oh oui, la victoire est là.
La victoire est là, dans le nom de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il nous donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ.